au Stade Martens, puisqu'on y a inauguré aujourd'hui l'espace Raymond Goutal. C'est un petit musée consacré aux grandes heures de celui qu'on appelait Raymond la Science, avec des photos et quelques autres objets d'époque. Raymond Goutal, ce joueur puis entraîneur à succès, il a migré vers Anderlecht et Marseille, où je vous le rappelle, il a remporté une Coupe d'Europe. C'était en 1993. Écoutez son fils au micro de Pierre-Alexis Maton et de Yannick Van Gansbeek. Il aurait 98 ans maintenant et on en parle toujours, donc il reste une sorte d'ombre qui plane au-dessus du football belge, même européen, puisque j'ai encore eu l'occasion d'aller récemment à Marseille, où son nom est toujours bel et bien présent dans les mémoires, tant par son folklore que par sa compétence.